Il a répondu à l'appel de plusieurs jeunes de la 20e circonscription électorale souhaitant le voir siéger à l'Assemblée nationale au sein de la 9e législature. Lui, c'est le digne fils de la commune d'Avrancourt, Fassinou Akomavo, natif de Kouti, opérateur économique, ex-président régional au Ouémé Plateau de la CCIB. Pétri d'expérience et épris de magnanimité, l'homme entend mieux plaider la cause des jeunes à l'Assemblée nationale sous les couleurs du bloc républicain. Je suis venu répondre à l'appel de ces jeunes qui m'ont appelé pour me solliciter et être leur représentant à l'Assemblée nationale prochaine. Lorsque je suis venu les rencontrer, j'ai été profondément touché par rapport à ce que j'ai écouté, entendu de leur bouche. Et j'ai été touché parce que le besoin de changer les donnes, de changer les manières de faire, se fait sentir à travers ces jeunes. Le besoin de développement se fait sentir à travers ces jeunes. Ce dimanche 13 mars 2022, celui que l'on nomme déjà honorable Fassinou Akomavo est allé échanger avec les jeunes de la vallée à Dongbo. Ceux-ci se disent prêts à l'accompagner. Nous sommes derrière l'honorable Fassinou. D'accord, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés aujourd'hui. Voilà. Il est venu d'abord nous dire son intention, d'accord. Et ensemble, on a analysé et on a réfléchi et on a essayé de voir si on peut l'accompagner. D'accord, et je crois qu'il a eu la réponse, d'accord. Et on s'est compris. La réponse, c'est que nous mobilisons derrière lui, d'accord, pour mener à bon port son intention. C'est monsieur qui s'est levé gentiment, disant qu'il ira aux élections législatives. Mais maintenant, c'est les gens qui l'ont envoyé pour aller demander aux jeunes si c'est possible qu'ils aillent. Bon, maintenant, son arrivée, nous on a dit oui, que nous sommes prêts à le soutenir dans la partie BR, le bloc républicain. Mon nom c'est Dossou Ardenne. Notre objectif, c'est de l'accompagner dans ses objectifs et de le soutenir pour qu'il puisse développer ce qu'il a comme projet pour la vallée de l'Ouémé. Cap a été mis sur Achupa où une équipe composée de jeunes d'Avrancourt et de Misrété l'attendait. L'homme multiplie les échanges et rencontres avec les jeunes dans le cadre de sa participation aux législatives de 2023. Les voix s'élèvent de toutes parts pour le soutenir. Il y a un gens, il y a 10 sèches, mais il m'a dit qu'il y a tout à l'heure comme avant. Et alors, nous avons eu un peu de temps. Mais il y a un peu de temps. On m'appelle Akane Dikorisha. Je suis de l'arrondissement de Kouti. C'est juste pour soutenir mon frère Akomavo Fassinou pour sa candidature au niveau du parti Bloc Républicain pour les législatives prochaines. Comme c'est un jeune
qui a une bonne expérience, et qui pourrait quand même partager cette expérience envers les jeunes de sa localité pour les susciter à se mobiliser derrière lui pour qu'il soit désigné et pour passer les prochaines élections législatives. Donc c'est quelqu'un qui est parti du tout, du rien, et qui est devenu un grand opérateur économique et qui pourrait quand même susciter quand même l'engouement des jeunes dans sa localité. Voilà, c'est pour ça que je le soutiens et je voudrais quand même inciter les jeunes de la localité d'Avrancourt, d'Apromesséité, de Dango, de Bonou à pouvoir le soutenir parce que c'est quelqu'un qui est riche d'expérience et en matière de développement de projets locaux, il a assez d'expérience en la matière. Il a déjà commencé un certain nombre et qu'il a pu réaliser dans la localité et qui pouvait quand même apporter un plus dans le développement ou bien dans le développement des jeunes de la localité. Vivement que les fruits tiennent la promesse des fleurs.